essayer d'aborder, ce n'est pas la question de pour ou contre l'indépendance, c'est la question des droits. La question des droits politiques et civiques, la question des droits de la défense, tels qu'ils sont gravement compromis en Espagne depuis quelque temps. Francis. Des gens qui ont simplement voulu voter ne passent pas des années en prison, et des gens considèrent que c'est inacceptable que ces gens soient en détention préventive. Je rappelle, dans un pays quand même où des tortionnaires de Franco continuent à se promener tranquillement dans la rue, et où un parti comme le Parti Populaire a quand même réussi le tour de force d'avoir 12 ministres et 9 présidents de région qui sont inculpés ou accusés de corruption. Donc, on ne peut pas rester sans rien faire, et pour nous, c'est décisif. Je rappellerai aussi ce qui peut apparaître plus anecdotique, mais quand même qui pour nous a du sens, c'est que Montpellier est jumelé avec Barcelone. Pour nous, le jumelage avec une ville, ça prend du sens. C'est une solidarité avec les peuples d'à côté, c'est une volonté de prendre en compte ce qui s'y passe et d'avoir cette fraternité et cette solidarité. Donc un jumelage, c'est pas simplement faire des photos pour mettre dans le journal municipal, mais c'est aussi un engagement. Et nous nous battons pour une solution politique en Catalogne, et une solution politique en Catalogne passe aussi pour nous par la libération des prisonniers. Et donc c'est tout le travail que nous allons faire et dont nous débattrons ce soir. Voilà. D'abord les 9 qui sont détenus depuis, je le fais à la louche, 1 an et demi. En Catalogne, il y a 2 grandes associations citoyennes, l'Assemblée nationale de Catalogne et Unión Cultural, qui sont, dont les présidents sont détenus, donc Jordi Sanchez et Jordi Cuixart. Ensuite, vous le connaissez probablement, Oriol Junqueras, qui était le numéro 2 du gouvernement catalan, c'est le barbu là costaud. Et puis plusieurs ministres, ça s'appelle conseillers, donc Joaquim Forn, en charge de l'intérieur, Dolors Bassa, en charge du travail des affaires sociales de la famille, Raúl Romeva, chargé des relations internationales, Jordi Turull, conseiller de la présidence, Josep Rulli, chargé des territoires et du développement durable, et l'ex-présidente du Parlement catalan, Carme Forcadell. Et puis il y a les 7 exilés, donc le plus connu, Carles Puigdemont, exilé à Bruxelles, Anthony Comín, exilé également à Bruxelles, Luis Puig, alors le Comín était en charge de la santé, Luis Puig de la culture, il est également à Bruxelles, Meritxell Serret, qui était conseiller ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, également à Bruxelles, Clara Ponsati, qui était en charge de l'éducation, est en Écosse, et enfin 2 autres qui sont à Genève, Anna Gabriel, qui est une élue de la couple, un parti indépendantiste, qui était députée au Parlement de Catalogne, et enfin Marta Rovira, secrétaire général de l'Esquerra Républicaine de Catalogne. Et ensuite, il y a 2 autres responsables qui, après un mois et demi de prison, ont été libérés après avoir payé 5 000 € d'amende. Meritxell Borràs, également membre du gouvernement catalan en charge des administrations publiques de logement. Et enfin, le responsable des questions de justice, Carles Mundo. Francis l'a dit, une des choses qui nous a frappé dans la partie préparatoire de ce rendez-vous, c'était la assez faible présence dans le débat public en France, et pour le coup également dans l'espace médiatique, de la question de la crise catalane. J'ai repéré une tribune de José Bové, un député européen, dans Libération, intitulée au moment de l'ouverture du procès, « Ne fermons pas les yeux ». Et puis, bien entendu, le silence assourdissant de Philippe Ostorel, qui, bien qu'ayant rencontré ces derniers mois au moins 2 fois à Dacola, pouvait prendre position sans partir du feu de Dieu pour l'indépendance de la Catalogne, mais mettre en avant la mise en cause grave des droits civiques et politiques en Espagne. Alors les 2 intervenants, vous les connaissez, donc je les remercie d'avoir accepté là, de ce moment. Luis Llach. Alors, le chanteur, l'écrivain. Ces 3 romans ont été traduits en français, sont disponibles. Et alors, c'est sa contribution à la vie politique catalane, notamment quand il était député au Parlement européen, ça ne parle pas trop. C'est ce Luis Llach-là qu'on est venu, qu'on est allé chercher, qui a bien voulu échanger avec nous aujourd'hui. Et puis, il nous fallait quelqu'un qui nous permette de comprendre en quoi le système espagnol, le système juridique, le système judiciaire, le système constitutionnel, et comme ça a été dit, ce qui reste le franquisme dans les institutions espagnoles
permet de mieux comprendre où nous en sommes, parce que c'est très différent sur un certain nombre de points. Est-ce qu'on connaissait en France, par exemple, comment se fait-il qu'un parti d'extrême droite soit partie prenante dans le procès? On a du mal à comprendre. Et c'est cet éclairage que Clément Schuller, magistrat, délégué régional adjoint du syndicat de la magistrature, en lien avec des confrères catalans et espagnols, va nous permettre de mieux comprendre au fil de nos échanges. Est-ce qu'on s'inquiète de la Turquie? On s'inquiète de ce que fait Orban en Hongrie. Non, c'est un an et demi des gens qui n'ont jamais appelé à la violence, qui n'ont jamais été violents même, qui sont détenus. Rien que cet état de fait qu'on a du mal à comprendre et qui est certainement inacceptable, on va essayer de regarder ça ensemble. Donc Francis, donc vous avez vu qu'il connaît bien le contexte de l'histoire, pour nous permettre, pour mettre dans le bain, va nous faire brièvement un parcours dans l'histoire politique espagnole, depuis la guerre civile et les épisodes récents des 15 dernières années, parce qu'encore une fois, vous le verrez, la trajectoire de la Catalogne, l'histoire de la revendication catalane de plus grande liberté, c'est pas d'hier, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre pour qu'on soit bien dans le bain aujourd'hui. Francis. Bon, la première chose que je voudrais dire, qui pourrait apparaître comme une banalité, mais c'est qu'on ne peut pas analyser l'État espagnol avec la grille d'analyse que l'on aurait pour l'État français. Donc deuxième chose, je dirais que du coup, il y a une histoire longue de l'État plurinational. Bon, par exemple, sous la Deuxième République, en 1932, il y a eu un statut, il y a eu des gouvernements régionaux, nationaux, en Catalogne, au Pays Basque et en Galice, où les trois langues se sont exercées, où il y avait une vie démocratique à partir de ces gouvernements. Suite à ça, il y a eu le coup d'État de Franco, après la Deuxième République. Donc le coup d'État de Franco est avec, je dirais, parlant de la Catalogne, quand même, une histoire riche en Catalogne. Pour ceux qui aimeraient lire, il y a des livres de Pierre Brouet, ou ceux qui préfèrent Orwell, Hommage à la Catalogne, en tout cas, ou une série de films. Vous pouvez trouver toute une série de documents sur cette période-là, qui n'est pas l'objet du débat de ce soir, mais qui est quand même une période très importante en Catalogne sur, au moment de ce moment fort pour l'État espagnol. Deuxième chose, triste, mais la victoire de Franco en 1939. Donc, comme Franco, s'il faut le caractériser rapidement, je dirais que c'est un national-catholicisme. Donc première chose quand même, c'est au cœur du franquisme, c'est l'Espagne une et grande. Et donc une des premières mesures qu'il prendra, c'est de supprimer toutes les autonomies, de supprimer tout ce qui est possible de parler en catalan, en basque, en galicien, avec une volonté d'écraser, d'éradiquer, puisqu'il y aura un temps long, ces cultures-là, ces langues-là. Donc, je vais vite. Enfin, un jour, il arrive à mourir quand même, Franco. Mais les temps sont longs, donc il meurt en 1975. Donc là, il y a autre chose très importante à prendre en compte, c'est qu'il y a une transition et non pas une rupture. Une transition, ce qui veut dire que, eh ben, il y a une loi de l'oubli, on dit en gros qu'il y a une amnistie générale, mais ce qui veut dire que tous les franquistes, tous les crimes franquistes, sont, on ne peut pas réouvrir ce débat puisque la page est tournée, il faut arrêter ça. Donc, je ne vais pas développer là-dessus, mais quand même, c'est des choses à intégrer, puisque comme il n'y a pas de rupture, ce qui veut dire que, je prends un exemple, le premier parti de la droite espagnole, qui s'appelait Alliance Populaire, est constitué par 6 ministres venant du gouvernement Franco, qui était un exercice dans le gouvernement Franco. Et dans tout l'appareil d'État, nous y reviendrons très probablement, dans la police, dans la justice, ben, ce sont les mêmes qui continuent et qui sont toujours en place. Donc évidemment, ça pèse beaucoup. Donc dans la transition, dans le pot commun de la transition, sur lequel on pourrait discuter, mais ce n'est pas l'objet de ce soir, mais même si c'est là aussi un gros débat, il y a l'autonomie qui est redonnée aux Catalans, Basques, Galiciens, et bien y compris d'autres autonomies qui sont mises en place. Mais il y a un premier malentendu qui est pour... je dirais, ces nations historiques, normalement, c'est le début d'un processus. Sauf que pour, je dirais, les partis constitutionnels de la transition, c'est tout sauf un processus, c'est une fin en soi, et c'est un problème qui doit se régler. Alors, cette question-là,
parcourra, si on parle de la Catalogne, à partir de 75, 77, 78, va revenir régulièrement. Pour en parler, je vais aller à un exemple. Il y a une négociation avec le gouvernement de Zapatero, qui est le président du Parti Socialiste Ouvrier Espagnol, sur un nouveau statut pour la Catalogne. Donc, il y a un nouveau statut, ce débat s'engage, il y a un nouveau statut qui est adopté au Parlement catalan en septembre 2005. Ce texte est voté ensuite au Parlement espagnol en mars 2006, au Sénat en mai 2006 et par référendum en Catalogne en juin 2006. C'est-à-dire qu'une légitimité démocratique très importante par rapport à ce texte et à ce nouveau statut, puisque il est, je dirais, voté par tous les parlements possibles, et y compris par référendum en Catalogne. Mais, le Parti populaire décide de porter ce texte devant le tribunal constitutionnel. Tribunal constitutionnel, je suppose, on y reviendra, constitué de qui vous savez, si vous avez en mémoire ce que je viens de dire il y a deux minutes auparavant. En gros, le vide de son sens. Il y a 14 articles qui sont les articles essentiels qui sont supprimés et le texte n'a plus de sens, n'a aucune valeur. Donc là, suite à ça, je pense qu'il y a, ce qui est important pour nous à considérer, c'est un nouveau cycle de mobilisation en Catalogne qui commence. C'est-à-dire que le sentiment, je ne vais pas parler à la place des Catalans, Louis est dans la salle, d'autres en parleront mieux que moi, mais en gros, ce qui était apparu comme une porte pour une négociation, et y compris acceptée démocratiquement en étant votée dans les parlements, au final, ça ne marche pas. Donc, c'est la mobilisation, le rapport de force qu'il faut mettre en place. Et donc, il y a une première manifestation là, à Barcelone, enfin pas une première manifestation, mais dans ce nouveau cycle de manifestation et de mobilisation, une manifestation de 1 million de personnes à Barcelone autour du thème « Nous sommes une nation, nous décidons », et qui enclenche le processus que l'on va avoir après, en sachant quand même que, à ce moment-là, dans toutes ces années, 80% des Catalans étaient pour pouvoir décider. Ce qui ne veut pas dire que les gens voulaient tous, les 80% étaient indépendantistes, c'est pas ça la question. Mais ils trouvaient naturel et logique que, sur l'avenir de la Catalogne, comment elle s'inscrit, quel type de rapport avec l'État espagnol, il puisse y avoir un référendum qui définisse ça. Je vous dis tout ça parce que ça veut dire que la crise que nous connaissons depuis 2010, pour parler du procès et maintenant, est tout sauf un surgissement inattendu. Là, je vous raconte tout ce processus. Ensuite, les différents gouvernements, il y a eu au moment d'Arthur Mas, une volonté de faire un vote qui s'est terminé par une consultation. Ensuite, le dernier gouvernement avait, dans son programme électoral, indiqué qu'il ferait un référendum sur la question du droit à décider. Donc, c'est une question qui vient de l'OM, qui est très importante, et les solutions politiques, on peut les préparer, on peut les prendre en compte. Donc, moi, je ne vais pas développer plus que ça, puisqu'on y reviendra dans le débat, mais c'est considérer que ce processus de droit démocratique, de droit d'un peuple, est quelque chose qui traverse l'histoire, qui est présent, et qu'on ne peut trouver une solution que dans la répression. On n'écrasera pas un peuple de 7,5 millions d'habitants, on n'écrasera pas tous les partis. Prenons en compte quand même que les gens qui sont en prison, si vous prenez la France quand même, on va dire c'est comme si vous mettiez en prison le secrétaire général de la CGT, le secrétaire général de Force Ouvrière, et des partis, bon, je ne veux pas caractériser Escadre Républicaine, c'est pas les ultra-gauchistes que certains peuvent raconter. Je pense que c'est au cours de son histoire, c'est un parti institutionnel qui veut avancer dans la Catalogne, mais voilà. Donc, prenons la mesure de ce qui est en train de se passer, et Puigdemont, qu'est-ce que je veux dire, c'est un représentant, peut-être en France ça serait peut-être Bodhi, je me méfie de mes comparaisons, mais bon, voilà. Donc prenons en compte ça, et prenons la mesure de qui est en prison, comment il y a une volonté d'écraser, de décapiter tout ce qu'est le mouvement associatif catalan, tout ce qu'est le mouvement politique catalan, et tout ça dans une logique un peu folle, puisqu'il faudra bien sortir à un moment ou l'autre, et on verra avec ce nouveau gouvernement et les gens qui seront avec, quel type de solution politique on peut trouver, mais en tout cas, il y aura besoin de nous, de notre mobilisation et de notre solidarité pour qu'il y ait une issue politique positive.
Je vais proposer donc à Pierre Schuller d'intervenir. Donc je rappelle qu'il est délégué régional pour la région là, du adjoint, soyons précis, du syndicat de la magistrature. Nous allons proposer à la fois la connaissance qu'il a, notamment depuis Perpignan avec les contacts qu'il a de l'autre côté, et bien sûr en s'appuyant sur les positions que son syndicat a prises sur ce sujet. Donc Clément Schuller. Alors, donc j'interviens en ma qualité de représentant du syndicat de la magistrature. Donc je me permets quand même de présenter brièvement ce qu'est le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature, c'est un syndicat de magistrats, c'est-à-dire de juges et de magistrats du parquet. C'est un syndicat représentatif, qui est un syndicat marqué à gauche, c'est le deuxième syndicat en France. Et il a quelque chose de particulier, ce syndicat, qui depuis toujours défend des idées de gauche, c'est que ce n'est pas seulement un syndicat corporatif, on va dire, comme tous les syndicats, mais c'est aussi un syndicat qui, dans son objet social, a un objectif de défense de la liberté et de défense des principes démocratiques. Et c'est à ce titre que le syndicat de la magistrature, en octobre 2018, constatant que la situation en Catalogne devenait de plus en plus préoccupante, a pris une résolution par laquelle il condamne de manière très claire l'utilisation de la justice à des fins politiques, et il s'inquiète de la répression pénale d'un processus politique qui est en cours et qui était en cours en Catalogne. Donc ça, je pense que c'est très important à souligner. Et pour lever toute ambiguïté et ne ménager aucun effet de surprise, je ne suis évidemment pas ici pour me prononcer de quelconque manière sur le processus d'indépendantisme et sur le mouvement politique indépendantiste en Catalogne. Je ne suis pas non plus ici pour appeler à la libération des prisonniers politiques, parce que ce n'est pas du tout le mandat que j'ai, mais je suis ici pour dire très fermement que cette procédure, ces procédures qui sont menées à l'encontre des élus indépendantistes catalans, mais également à l'encontre d'un certain nombre de personnes qui sont en particulier fonctionnaires de la généralité, ces procédures sont des procédures politiques, et que en conséquence, les personnes qui se retrouvent en détention provisoire en raison de ces procédures qui ont un objectif politique, qui se déroulent dans le cadre d'une volonté politique, sont des prisonniers politiques. Le syndicat de la magistrature, il a pu effectivement... moi je dirais qu'il a une certaine légitimité à intervenir sur ce sujet, parce qu'il a eu l'occasion régulièrement, à l'occasion de son histoire ancienne ou récente, de se prononcer sur les atteintes aux libertés dans un certain nombre de pays, d'Europe en particulier. Dernièrement, il a pu le faire sur la Pologne. Il a pu s'inquiéter effectivement sur les régressions des droits démocratiques en Italie. Et donc, il est parfaitement légitime à se prononcer aujourd'hui sur ce qui se passe en Espagne par rapport à la Cour catalane. D'ailleurs, le syndicat de la magistrature, ça fait partie de son histoire aussi, c'est un syndicat de magistrats qui n'a jamais hésité, en particulier en France, à critiquer des procédures ou des jugements qui lui paraissaient en particulier avoir des objectifs politiques, ou la mise en place de juridictions d'exception aux fins de juger des militants politiques ou de criminaliser le mouvement social ou des mouvements politiques. Et c'est vrai que ce qui nous apparaît comme étant le plus marquant dans cette histoire de la Catalogne et du traitement du mouvement indépendantiste catalan, c'est qu'on se retrouve dans une situation où la justice est instrumentalisée à des fins politiques, et où il semble que il n'y a aucun traitement politique de ce problème politique fondamental qu'est l'indépendantisme catalan, et qu'on se retrouve dans une situation où il apparaît évident que la loi pénale doit s'appliquer, que la répression doit qu'il apparaît évident aux autorités espagnoles, que la loi pénale doit s'appliquer, que des poursuites doivent être menées, comme si la politique, ce n'était pas avant tout de changer la loi, et pas de l'appliquer. Appliquer la loi, c'est le rôle des juges. Changer la loi, c'est le rôle des politiques. Et là, on est obligé de constater quand même, en tant que Français, quelque chose qui est assez étrange en Espagne, me semble-t-il, à savoir qu'il y a une forme d'immuabilité de la loi et de la Constitution. Alors j'en veux pour preuve deux exemples. Les modifications constitutionnelles en Espagne
comparé à ce qui a pu exister dans les pays européens autour. Depuis 1978, en Espagne, il y a eu deux modifications de la Constitution, conforme aux exigences des traités européens, en particulier pour permettre aux résidents nationaux communautaires de voter aux élections locales, en fait, sur des petits points tout à fait précis et techniques. Alors que dans le même temps, en Suisse, en France, en Allemagne, un peu partout en Europe, vous avez eu un nombre de modifications de la Constitution particulièrement important, hein, depuis 1978 en France, je crois que c'est 23 ou 28, en Suisse c'est encore beaucoup plus de 30 ou presque 40. Et donc là en Espagne, non. La Constitution, qui est issue effectivement de ce processus de transition politique de 1978, considérée comme étant intangible, appliquée de manière... sans penser que, après tout, faire de la politique, comme dans tous les pays d'Europe, c'est aussi changer la Constitution. Autre exemple, plus proche de l'activité judiciaire, c'est tout simplement la loi de procédure pénale espagnole, qui est l'équivalent du code de procédure pénale français. Et la loi de procédure pénale espagnole, elle date de 1882. Oui. Alors évidemment, on va me dire que ça, c'est quelque chose, mais j'ai découvert récemment, je suis stupéfait. Donc, cette loi de Ley d'Enjudiciament Criminal en catalan, cette loi, elle a subi certes des modifications, mais par exemple, c'est en application des dispositions de cette loi qu'aujourd'hui le parti d'extrême droite Vox peut jouer, et dans sa rédaction de 1882, peut jouer ce rôle d'accusation populaire dans le procès qui est en train de se dérouler à Madrid devant le tribunal suprême. Et donc, on a dans ce procès, effectivement, une architecture, on va dire, du procès, un fonctionnement du procès qui est très différent de ce qu'on peut connaître dans la plupart des autres pays européens, puisque nous avons évidemment sur les bancs de la défense des avocats qui défendent, comme partout, à peu près normalement, enfin après on pourra en dire quelque chose. De l'autre côté, il y a trois accusateurs publics. Nous avons le parquet général de l'État, la fiscalie, l'avocat de l'État, l'advocatia générale de l'Estat, je pense que c'est ça, et l'accusation populaire. Donc on a une situation qui est aussi très, très inédite dans ce procès par rapport à cette situation. Alors sur les poursuites qui sont menées pour des faits de rébellion, je suis obligé de revenir sur un élément qui a été cité dans le film sur le 20 septembre, à savoir le manifeste des professeurs de droit des universités espagnoles qui ont publié le 21 novembre 2018 un manifeste par lequel il affirme que les faits de rébellion, et on va revenir tout à l'heure sur ce que signifie la rébellion qui est reprochée aux élus indépendantistes, et l'effet de sédition également qu'on reproche aux élus indépendantistes catalans, et donc là je cite les professeurs de droit espagnol, et cette incrimination est étrangère à la doctrine même du tribunal constitutionnel espagnol en la matière, parce que par définition, dit le tribunal constitutionnel, elle ne peut être accomplie, cette rébellion, que par un groupe qui a pour objectif de faire un usage illégitime d'armes de guerre et d'explosifs dans le but de détruire ou d'anéantir l'ordre constitutionnel. On voit bien que ce qui se passait en Catalogne, et on l'a vu dans les films, c'est quelque chose de bien différent. Et de s'inquiéter en disant que cette interprétation qui est faite de la loi par le parquet, par la fiscalie, par le parquet espagnol, ouvre la porte à la banalisation de raisonnements inédits en démocratie, mais qui rappelle un passé de triste mémoire, que le législateur de 1995 a voulu éviter en restreignant l'application de la loi à des cas correspondant à des faits autrement plus préjudiciables de ceux dont il s'agit aujourd'hui. Il faut savoir que cette loi sur la rébellion, elle a été modifiée en 1995, qu'à l'époque, effectivement, il y avait eu des débats parlementaires où certains parlementaires de droite espagnole voulaient que le simple fait de vouloir rendre indépendant une partie du territoire national puisse être considéré comme étant un crime de rébellion puni de 30 ans d'emprisonnement. Puis ils sont finalement revenus à la raison, parce qu'il y a eu des débats un peu âpres, etc., des différentes positions qui étaient prises en particulier par des juristes, en disant non, en fait, pour constituer le crime, il faut l'élément constitutif de violence. Et aujourd'hui, le centre du procès, c'est bien ça, à savoir, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu des faits de violence qui ont été commis personnellement par les différents accusés qui sont aujourd'hui devant le tribunal suprême. Alors, il y a un certain nombre de magistrats espagnols également
en particulier en Catalogne, qui se sont constitués sous la forme d'une association judiciaire, l'équivalent de syndicat de magistrats pour la France, qui s'appelle donc, en particulier une organisation qui s'appelle la Guerra Judicial, qui a considéré que qualifier les faits poursuivis comme constitutifs d'un crime de rébellion ne peut résister à une analyse objective et impartiale, respectueuse du principe de l'égalité. Ils ne peuvent pour autant être qualifiés d'infraction pénale, ces faits, dans le cas du crime de rébellion, parce que il est notoire que l'élément constitutif essentiel, à savoir un soulèvement violent, général et délibéré pour obtenir la déclaration d'indépendance, eh bien, n'est pas réuni selon ces magistrats espagnols. Alors c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé au moment du 1er octobre du référendum, c'est vrai que moi ce qui m'a interpellé de manière la plus évidente, c'est que tous ces policiers que vous avez vus intervenir pour venir arracher les urnes aux électeurs, pour venir disperser les électeurs, y compris à coups de matraque, etc., eh bien, tous ces policiers, ils agissaient sur ordre judiciaire, ce qui est tout à fait exact, hein. Ils agissaient sous les ordres d'une juge de Barcelone. Et Mercedes Armas, pour ne pas la nommer. Pour un magistrat français, c'est quelque chose de très déstabilisant, parce qu'il existe, comme dans beaucoup de pays, une séparation essentielle entre la police administrative et la police judiciaire. Les policiers en France, et dans beaucoup de pays, agissent très souvent sous l'instruction de juges, mais c'est pour aller arrêter des personnes qui ont commis des infractions. C'est pas pour empêcher qu'une putative infraction se commette. Ça, c'est le travail de l'administration, et c'est pas du tout le travail du juge. Alors c'est vrai que le système espagnol m'est apparu au cours de ces événements, et en l'analysant et en l'observant, comme étant un peu lâche en termes de séparation entre les différentes autorités qui le constituent. Et je trouve que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Alors, par ailleurs, ce que je souhaite dire également, c'est que ce qui est intéressant aussi dans cette affaire, c'est que nous avons d'un côté, effectivement, les prisonniers politiques qui sont dans les prisons et qui sont dans les prisons en Espagne, et puis aussi nous avons des personnes qui ont fui la répression et qui se retrouvent dans différents États, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, et qui ont fait un passage, en ce qui concerne Carlos Puigdemont, en Allemagne, puisqu'il y a été arrêté en application d'un mandat d'arrêt européen, et qu'il y a même fait quelques jours ou quelques semaines d'emprisonnement en juillet 2018, et qu'à cette occasion, les juridictions allemandes du Schleswig-Holstein ont eu l'occasion de se prononcer et de dire « Ben oui, ce mandat d'arrêt européen, il est fondé sur le crime de rébellion. Le problème, c'est que nous, en Allemagne, nous avons effectivement un crime qui est à peu près approchant de ce crime de rébellion, mais l'élément constitutif de violence dans les éléments que nous fournissent les autorités judiciaires espagnoles, nous on les voit pas trop, peut-être qu'il y a eu des violences, mais comment sont-elles rattachables à la personne de Carles Puigdemont, c'est très très compliqué, on n'a pas la preuve de ça, et quand bien même elles seraient rattachables à la personne de Carles Puigdemont, ce sont des violences qui sont d'un niveau d'intensité tellement faible qu'elles ne peuvent en aucun cas caractériser le délit de rébellion, enfin le crime de rébellion ou l'équivalent du crime de rébellion en Allemagne. Donc voilà, et les juges belges ont fait grosso modo le même raisonnement, ce qui les a conduits à ne pas mettre à exécution les mandats d'arrêt européens et espagnols concernant Carles Puigdemont, Luis Puig, je ne sais plus qui, et Tony Comín, et Melchior Serret. Voilà. Je rajouterai qu'en ce qui concerne les autorités helvétiques, c'est intéressant parce qu'on a relativement peu parlé. Alors là, les juges ne sont pas du tout intervenus. Le gouvernement fédéral helvétique a été, à mon avis, assez étonnant. Quoi, et il a dit, dans la mesure où il s'agit manifestement d'une procédure politique, on ne voit pas très bien comment on pourrait saisir un juge si toutefois on nous adressait un mandat d'arrêt international, ce qui n'a pas été fait. Et donc ça a coupé court à toute discussion, puisqu'il est apparu évident qu'il s'agissait d'une procédure qui était de nature politique et qu'elle ne pouvait pas faire l'objet de l'exécution d'un mandat d'arrêt international. Voilà. Alors, moi je trouve quand même que... alors, ce qui est intéressant, alors, en fait, ça va être rébellion. J'estime que c'est un peu pouvoir dire, donc ça, vous l'avez compris.
partie, donc c'est l'article 472 du code pénal espagnol, qui dit que ceux qui se sont soulevés violemment et publiquement dans le but notamment de déclarer l'indépendance d'une partie du territoire national peuvent être condamnés pour des faits de rébellion et encourent une peine allant jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. Donc c'est ce qu'on reproche aux membres du gouvernement de Catalogne et aux deux Jordi, qui sont actuellement poursuivis devant le tribunal suprême de Madrid. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Conseil général du pouvoir judiciaire à Madrid, qui est l'équivalent du Conseil supérieur de la magistrature, a publié un certain nombre de pièces de procédure, je ne vais pas les voler, je vais de suite, qui sont à la disposition de tout le monde, qui, alors pour certaines, sont très, très compliquées à déchiffrer, qui sont très très longues, un peu verbeuses, etc. Mais alors, il y a une pièce très très intéressante qui a été publiée, qui est un tableau synoptique des faits concrets qu'on reproche aux accusés. Parce que c'est vrai que la question, c'est, certes, on les poursuit pour ce crime de rébellion, mais quels sont les faits concrets pour lesquels on les poursuit pour ce crime de rébellion? Et alors, quand on se dit ce tableau, je vous assure, c'est quand même très étonnant. Alors, qu'est-ce qu'on reproche, par exemple, à Jordi Sanchez et Jordi Bouchard? On leur reproche de avoir utilisé leurs responsabilités dans leurs associations respectives pour mobiliser des centaines de milliers de personnes qui se sont opposées à l'opération policière destinée à empêcher le référendum illégal. Avoir eu des responsabilités dans l'organisation de la fameuse manifestation qu'on a vu tout à l'heure du 20 septembre 2017, qui s'est déroulée devant le ministère de l'économie catalan. C'est tout. Voilà, ce sont les faits qui sont poursuivis. En ce qui concerne Jordi Turull, par exemple, ex-porte-parole de la Généralité de Catalogne, en détention provisoire depuis le 23 mai 2018. Il est poursuivi pour avoir promu la mobilisation en sa qualité de porte-parole du gouvernement de la Généralité. Ouais, promu la mobilisation, bon. Avoir géré et projeté la campagne publicitaire pour le référendum. Alors ça, c'est très violent. Hein. Avoir coordonné, on a presque envie d'en rire, hein. Avoir coordonné, c'est pas moi qui parle, hein. c'est de construction, hein, pour être très franc, hein. c'est l'acte d'accusation en réalité, hein, l'acte de renvoi devant le tribunal. Avoir coordonné les infrastructures informatiques pour voter. Oui, très bien. Avoir recruté des volontaires pour tenir les bureaux de vote. Voilà. Alors, je vais continuer parce que je trouve que c'est important, hein, parce que chacun le reproche des faits différents. Raúl Romeva, ex-ministre des Affaires étrangères de la Généralité de Catalogne, avoir promu la création des structures d'État, avoir jeté les bases de la reconnaissance de la République catalane à l'étranger, notamment par le biais d'une structure dépendante de la Généralité nommée Diplocat. Oui. Troisièmement, avoir permis le vote des Catalans vivant à l'étranger, très bien, et avoir reçu avec prévenance des observateurs internationaux du référendum. Voilà. Bon, alors le cas le plus scandaleux, alors pas forcément en lisant l'acte d'accusation, mais par essence même, c'est le cas de Carmen Forcadell, parce que Carmen Forcadell, c'est quand même la présidente du Parlement de Catalogne. Et alors, je veux bien qu'on reproche à un ministre de l'Intérieur qui a l'autorité sur les Mossos d'Esquadra, qui effectivement sont une police, qui donc en tant que police sont armés, etc., de pouvoir tremper dans des actes qui représenteraient des violences policières, etc. Enfin bon, tout est possible, ou aux autorités exécutives du gouvernement de Catalogne. Mais alors, une présidente de Parlement, qu'elle soit aujourd'hui poursuivie pour des faits impliquant commis dans le cadre de ses fonctions, impliquant des faits de violence, je trouve ça, mais hallucinant. Voilà. Donc, Carmen Forcadell, qu'est-ce qu'on lui propose? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Sa participation médulaire. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire, médulaire, je cherchais dans le dictionnaire. Ça veut dire jusqu'à la moelle, quoi. Donc, sa participation médulaire au processus indépendantiste. D'abord comme président de l'Assemblée nationale de Catalogne, et puis comme président du Parlement de Catalogne. Avoir soumis à l'approbation des députés des lois servant d'alibi justificateur au processus menant vers l'indépendance de la Catalogne, bien qu'elles fussent contraires aux itératives interdictions et prescriptions du tribunal constitutionnel. Alors, ce qu'il faut savoir, là aussi, c'est que je trouve cet élément, il est intéressant, parce que
Et il nous ramène aussi à la logique de la compétence des juridictions devant laquelle sont poursuivis les différents élus indépendantistes en Espagne. Et c'est vrai que personne n'y comprend rien. Parce que cette compétence-là, bon, je parle à côté d'un ancien député au Parlement de Catalogne, mais il me semble que cette compétence-là, elle relève du bureau de la Mesa du Parlement des Catalogniens. C'est bien ça, hein? Voilà. Or, nous avons les autres membres du bureau du Parlement de Catalogne, qui sont aujourd'hui, d'autres membres en tout cas, qui sont aujourd'hui poursuivis devant le tribunal supérieur de justice de Catalogne, et pour des faits qui sont qualifiés juridiquement différemment. Bon, on n'y comprend rien. Alors pourquoi? Alors, là aussi, il y a eu une interrogation chez les juristes. Pourquoi est-ce que c'est le tribunal suprême à Madrid qui a été saisi pour les deux Jordi et pour les Carme Forcadell, uniquement la présidente du Parlement, et pour les membres du gouvernement de la Généralité. Alors, la justification, le motif que j'ai réussi à comprendre, c'est que déclarer une partie du territoire national indépendant sont des faits qui impliquent nécessairement la totalité des Espagnols et la totalité du territoire national espagnol, et qu'il n'y a qu'une juridiction capable de les juger qui étend sa juridiction sur la totalité du territoire national, et c'est le tribunal suprême espagnol. Alors, ce choix du tribunal suprême, il a une caractéristique et une conséquence importante. Sa caractéristique, c'est que toutes les membres de ce tribunal sont nommés sur un processus que toutes les organisations de syndicats, de magistrats dénoncent comme étant un processus par trop politique. Puisque le choix qui préside à la nomination des magistrats au tribunal suprême espagnol est considéré par toutes les organisations syndicales de magistrats espagnols comme étant particulièrement politisé. Donc ça, c'est la caractéristique. Et la conséquence, c'est que la sentence, le jugement qui sera rendu à l'issue de ce procès sera sans appel. Sans appel. Il n'y aura pas d'appel. Voilà des personnes qui sont poursuivies pour des crimes où ils encourent jusqu'à 30 ans de détention, et il n'y aura pas d'appel possible. Alors, on peut se faire des idées ou des espoirs ou fantasmer sur la saisine des juridictions européennes après. Ça ne changera rien. Les juridictions européennes condamneront peut-être, ne condamneront pas l'État espagnol, mais elles n'empêcheront pas que soient ramenées à exécution les peines qui seront, le cas échéant, prononcées par le tribunal suprême. Donc ça, c'est quelque chose quand même qui apparaît comme étant très, très important à souligner. Bon, alors je ne voudrais pas être trop bavard, mais je... Oui. Et après, je vais peut-être juste dire que... Oui, quand même dire que dans tout ça, il y a quand même quelque chose de follement exagéré. Hein. La détention provisoire extrêmement longue. Donc au total, j'ai compté pratiquement aujourd'hui 4000 jours de détention provisoire, hein, concernant 9 personnes. C'est-à-dire, ça fait, en cumulé, ça fait à peu près 11 ans de détention provisoire. Donc on voit à quel point on est dans quelque chose qui est disproportionné. Les réquisitions, réquisitions du parquet général de l'État, 177 années de prison qui sont requises au total contre les différents accusés. Je ne vous parle même pas de Vox, l'accusation populaire qui a requis plus de 900 ans d'emprisonnement. La procédure est prévue pour durer des mois. Elle a commencé le 12 février. On ne sait pas trop quand est-ce qu'elle va terminer. Voilà. Pour terminer, je voudrais juste dire, et je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, que ce procès devant le tribunal suprême à Madrid, il me semble, bon, mais je parle un peu sous le contrôle de l'UICF, que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, comme on dit en français, ou la partie émergée de l'iceberg. Parce qu'il y a d'autres procès qui sont en cours devant le tribunal supérieur de justice de Catalogne. Il y a des maires qui ont fait l'objet de poursuites. Il y a, sur les 900 maires catalans, il y en a plus de 700 qui sont membres de l'association des municipalités pour l'indépendance et qui font l'objet également de poursuites. Donc c'est tout un mouvement politique qui se retrouve traité d'une seule manière, ce qui est très inquiétant sur l'issue politique de la situation, d'une seule manière, par la répression judiciaire. Voilà, je vous remercie. Là, on va sauter la frontière et demander à un acteur de la vie publique, pas seulement de la vie culturelle, vous savez aussi de la vie publique, de la vie politique en Catalogne, comment on a pu arriver là. Et puis on poursuivra avec des questions, nos échanges. L'histoire de la Catalogne, c'est une histoire très difficile à raconter, surtout en France.
Parce que c'est une répression qui a duré pendant des siècles et que surtout, elle a commencé d'une façon, disons-nous, méthodique à partir du XVIIIe siècle. Moi, je commencerai dans l'année 65 à la mort de Franco, vous avez raison, six ministres franquistes qui avaient signé peine de mort, les mêmes 75. Ils ont fondé un parti qui s'appelle l'Alliance Populaire et qu'après il a devenu Parti Populaire. Avec ces politiciens qui venaient d'un franquisme et les forces démocratiques en exil à l'intérieur, on a conformé une constitution. L'accord, pas une rupture, c'est très important. Mais l'accord pour cette constitution, c'est que elle était tellement surveillée pour les militaires que chaque petite phrase qui était un peu soupçonnée de dangereuse était amenée au ministère de l'armée pour qu'ils donnent l'accord. Mais en politique, les forces politiques présentes dans la rédaction de cette constitution avaient décidé que cette constitution, à mesure que la démocratie en Espagne, à l'État espagnol, serait, développée, la lecture de cette constitution s'ouvrirait peu à peu pour que l'Espagne devienne un pays plus démocratique à l'auteur des États démocratiques européens. On comprenait qu'en sortant d'un franquisme, il ne faut pas oublier que le général il est mort dans la guerre, il est mort dans les lits. Ça veut dire que le système franquiste restait là. C'est vrai que les militaires, ils avaient beaucoup d'envie d'un putsch et qu'ils ont tenté plus tard, dans le 23 février de 81. Et voilà qu'on a abouti à une constitution. Le problème, c'est que la lecture de ces constitutions, par contre, d'être d'ouverture, une fois les partis ont arrivé au pouvoir, ils ont commencé à faire une lecture restrictive. Et surtout, ça a arrivé à un moment très difficile avec la présidence d'un monsieur qui s'appelle Aznar. On compare parfois la droite espagnole avec la droite, on comparait avec la droite chiracienne. J'ai aucune sympathie, comme vous pouvez imaginer, pour Chirac, mais ce n'est pas comparable. La droite espagnole, c'est vraiment une droite, une ultra-droite. C'est un peu l'épénisme, mais déjà avec un autre nom, disons. Cette lecture restrictive est arrivée à tel point que, comme m'a raconté mon ami très bien, ils ont commencé à enlever compétences à la Catalogne et ça a, excusez-moi, je dois traduire et c'est difficile, et ça a abouti à un nouveau référendum qui a été pas annulé mais qui a été bidé pour les tribunaux constitutionnels. Et dans les 2010, ça commence un processus citoyen très bizarre. La première chose que je voudrais dire, je ne sais pas si je dirais rien d'important ce soir, mais je crois que la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tout ça qui passe en Catalogne, ça n'a pas être imaginé dans un bureau politique. Ça oubliez, ce n'est pas une discussion de 4 ou 5 politiciens dans un bureau, ça a commencé dans la rue. Et peu à peu, pour beaucoup de circonstances, à partir de 2010, les gens commencent à laisser sa condition de sujet politique pour devenir citoyen. Je ne sais pas si subtilité et citoyenneté, ce sont des choses. Subtilité, c'est comment on dit en français? Sujet. Et tout d'un coup, les gens, ils disent non, on oublie notre rôle de sujet, on devient citoyen en pleine activité. Ça prend une force tellement grande que dans l'année 2010, les forces indépendantistes
ils étaient en 14%. Et 6 ans après, c'était les 47, 48. Aujourd'hui, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas combien nous sommes. Cette croissance tellement importante, ça donne un peu la mesure de tous les fiascos politiques espagnols que provoque dans une communauté qui était plus ou moins pour l'autonomie, quelques 14% pour l'indépendance, etc. Tout d'un coup, une radicalisation très forte. Ça, par contre, de provoquer la question au pouvoir politique espagnol, qu'est-ce qui passe, où est-ce qu'on rate dans notre politique nationale, provoque toujours une réponse de châtiment, une réponse de répressif. Et ça fait les parcours contraires dans les côtés de liberté catalane. Chaque fois, on dit « Ah non, c'est pas possible, si nous sommes dans une démocratie, notre droit citoyen doit se respecter, il faut continuer. » Aujourd'hui, les problèmes politiques, non plus, c'est pas un problème de parti. Ça fait rien si un parti catalan aujourd'hui décide de dialoguer avec... Le problème, c'est que si on continue en démocratie, il faut aussi s'en douter parfois, si on peut continuer en démocratie, à Catalogne, il y a 10 millions quelqu'un, on ne sait pas, qui veulent l'indépendance. À 70-80% dans toutes les enquêtes qui sont républicains, et en 70-80%, ça varie chaque fois, qui sont pour le référendum. Alors, le problème que nous avons, c'est que si la solution politique ne trouve pas un chemin, il y a un peuple que tous ces élans démocratiques sont bouchés. Qu'est-ce qui fait l'État comme première réponse? C'est la répression. Mais comme la répression... à la vieille école franquiste, c'est pas possible. Il lance un bras armé nouveau, que c'est les bras, excusez-moi, parce que ça n'a rien à voir, un bras armé judiciaire. Et c'était magnifique. Ils ont fait n'importe quoi. Vous avez vu ce que vous avez vu, les documentaires de 20 septembre. Les informations policières sur le 22 septembre, ce n'est pas une mensonge, c'est calomnie. Et à tel point que dans les... Maintenant, je me mêle un peu. Hein, dans les judices, on dit... Les procès, excusez-moi. Les documents filmiques, la vidéo, on ne peut pas regarder. Les juges des tribunaux suprêmes espagnols, que c'est le maximum, il n'y a pas possibilité de, comment dire, de rappel. Oui. Il est interdit de voir. Quand un policier dit « les gens nous frappaient, nous insultaient, nous jetaient des choses, etc. » Les avocats, moi je les connais, ce sont des amis en plus, ils ont dans son ordinateur les images et c'est tout le contraire. Et ils demandent « Monsieur le juge, on a la vidéo qu'on a présentée dans les documents judiciaires qui démentit ce monsieur-là. » Et ils disent « Non, ça on verra après, il n'y a pas le droit à contredire les témoins des contraires. » Alors, tout ça, c'est... Et le problème, c'est qu'en Catalogne, le 1er d'octobre, le jour du référendum, je crois que la majorité de la population a fait un clic. Il a fait une déconnexion auprès de l'État. Il y a beaucoup de monde qu'aujourd'hui, il ne se sent pas qu'il appartient dans un État. Et ce n'est déjà pas un problème d'indépendantisme. Je crois que c'est un problème de démocratie, il faut être clair. Aujourd'hui, en Catalogne, beaucoup de gens, seulement démocrates, nous sommes ensemble, même si nous sommes indépendantistes ou pas indépendantistes, parce que le problème aujourd'hui, c'est démocratique. Et là, la question que se pose aussi, c'est est-ce que l'Europe, que jusqu'à aujourd'hui,
elle tourne les regards. Il va accepter une Turquie dans son flanc sud. Est-ce que l'Europe, qui est dans un moment très délicat de sa même évolution démocratique, va accepter qu'un de ses membres assez importants fasse de la démocratie une rigolade? Ou est-ce que l'Europe va jouer la carte de l'éthique, des principes, et même sans être un enthousiaste de l'Europe économique, de cette Europe qui avait rêvé Schuman et tous les fondateurs, non? Moi, je ne voudrais pas vous fatiguer, mais pour nous, c'est incroyable parce que on avait dans les années... Moi, j'ai 71 ans. Et dans l'année 65-66, hein, on avait cru à la possibilité de l'Espagne comme un projet de futur, de convivialité, où les différentes nations pourraient habiter, faire la convivialité politique en respectant les cultures, les droits, etc. etc. Aujourd'hui, on est perdu. On est perdu. On se trouve en face d'un État qui est capable d'utiliser tous les moyens, même celui qui met en danger la démocratie, pour empêcher une société à s'exprimer. Et quand un État il est capable, entre les choix de l'unité et la démocratie, de choisir l'unité et enlever la démocratie, nous sommes dans un problème pas seulement catalan ou espagnol, c'est quoi qu'européen. Je voudrais dire aussi que aujourd'hui, à la prison, j'ai des amis. J'étais élu l'année 2015, et dans notre programme électoral, il y avait clairement ça qu'on voulait faire, et on était avec une majorité suffisante dans les parlements pour faire tous ces projets, les avancer. Aujourd'hui, penser que Puigdemont ou Junqueras, ils sont en prison en exil, que les ministres, ils sont en prison en exil, excusez-moi, la présidente du Parlement, elle est en cause parce qu'il a permis de discuter, elle est accusée de permettre les députés de voter. C'est quelque chose d'incroyable. Elle a permis de discuter les députés. Que même dans les lois parlementaires, nous avons ces droits reconnus pour la Constitution espagnole. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui c'est très difficile à avaler. Excusez-moi, je sais pas, je suis pas un professionnel, je suis là un peu encombré. Il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas un problème de l'Espagne. Je crois que va au-delà, et je crois que nous vous prions de sauver aussi la démocratie, ça qui reste de la petite démocratie européenne. Et que là, c'est une parole. On a dit que c'est pas comparable ça qui a passé en France et ça qui passe en France, c'est vrai, c'est pas comparable. Mais un jour, il faudra que, comme Européens, nous comprenons que tous nos États nationaux, ils ont été construits sous les génocides, l'établissement, l'annihilation des petites communautés pour la force. Et excusez-moi de le dire comme ça, et l'Occitanie, que vous avez été une des cultures les plus fortes de toute l'Europe avant le XIIIe siècle, vous avez été tabassé pour cela. Et nous avons eu la mauvaise chance, les Catalans, que ça ne nous a pas arrivé dans le XIIIe siècle, sinon que ça nous a arrivé dans le XVIIIe siècle. Et que quand en Espagne a pris de monarchie totalement idiote, il faut dire que, idiote vraiment. Ils venaient des rois français, excusez-moi.
Mais il paraît que la génétique n'était pas parfaite. Mais coup d'État, quand est arrivée notre démocratie, malgré tout, l'établissement de la communauté catalane était assez récente. Dans un pays qui est né dans le 9e siècle. Mais quand on a eu la démocratie dans la République, on a dit « Eh, nous sommes là ». Vous, vous n'avez pas eu cette opportunité. Un problème de temps. Hein. Il faudra qu'un jour, l'Europe commence à relire sa histoire et commence à comprendre qu'il y a des problèmes qui sont là parce que toutes les bêtises qu'on a faites pendant les 18e, 17e, 17e, même 19e, même partie du 20e, ça n'a pas été démocratique. Ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas démocratique. C'est le résultat de luttes, fratricides, génocides, beaucoup de fois. Et nous sommes le résultat de ça. Très bien, c'est le passé. Et on doit maintenir les statuts parce qu'on sait que l'Europe, ça a été, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, terrifiant. D'accord. Mais il faut comprendre que c'est le statut, il y a d'injustices aussi terrifiantes. Et quand vous analysez tous ces problèmes, il faut venir de là. Il faut venir de tellement loin. Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais j'avais envie parce que j'aime beaucoup la France. Quand les franquistes m'ont interdit, j'ai choisi Paris. Et je me rends compte que la France, c'est un pays que, en réalité, se connaît très peu à soi-même. Excusez-moi de le dire. Le problème catalan, c'est un problème qui a été très fort. Vous avez eu ces problèmes, vous pouvez l'aurez, parce que vous avez des... Il y a quelques Français qui sachent que la Corse a été, excusez-moi, mais c'est pour les débats. Maintenant, je fais le chanteur petit de gauche. Est-ce que les Français, dans les baccalauréats, ils savent que la Corse, elle a été génoise jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et qu'avant, c'était de la pisse, de pisse. Et alors... et que ça n'était pas démocratique. Ça n'est pas du tout démocratique. Alors, quand vous parlez quand vous, un jour, vous aurez ces problèmes, hein, et vous verrez à la télévision, il faut comprendre ça. Hein. J'étais une île colonisée. Et la dernière colonisation, c'est la française. Excusez-moi. Et à partir de là, c'est de trouver une solution politique. Hein. Et pourquoi? Parce qu'ils ont été conquéris aussi dans le 18e siècle. C'est trop tard. Ça devait être dans le 13e siècle. Bonsoir. Celui qui a conçu ce violon, qui a la forme de la Catalogne. Et puis il a fait ce violon. Dedans, il y a le nom de tout notre prisonnière écrit dedans. Et l'intention, c'est quand nous aurons notre république, ça sera le patrimoine fondationnel. Que l'on sache, si aujourd'hui un Billy El Niño, un tortionnaire connu, et ce n'est que la pointe de l'iceberg, est joui de toutes les libertés dont ne jouissent pas les prisonniers catalans, bien c'est bien parce que le Parti Socialiste, sous Felipe González, jusqu'à aujourd'hui, a laissé faire ce qu'on appelle l'impunité. Donc j'aimerais poser une question quand même de la gauche là-dedans, hein, et en particulier le Parti Socialiste, hein, ça pose un problème de démocratie. Je vous prends.
mais vous avez raison, totalement. C'est moi que Aznar, c'est les combles, déjà. Mais c'est vrai que Felipe González, c'est la perversion du socialisme. En plus, parce qu'il avait, disons-nous, cette espèce de contrat historique de faire devenir l'État espagnol un État moderne. C'est ça qu'il a fait, c'est terrible, l'histoire que vous racontez avec les ministres condamnés et que par contre, démissionnés, il les accompagnait en prison. Il accompagnait les ministres condamnés en prison pour l'honorer. C'est des combles. Mais c'est pas ça, la garde civile, les directeurs de la garde civile en prison, les directeurs du Banque nationale espagnole en prison, etc. Non, vous avez raison. Et je vous demande excuse parce que normalement, je fais ce discours-là. Normalement. Et déjà que nous sommes en Europe, il faut dire qu'après les. J'ai dit toujours qu'il y a eu un trio maléfique, on dit maléfique. Oui, oui, oui. Que c'est Thatcher, Reagan et Jean-Paul II. Ce trio, il a eu comme, projet maléfique, changer toute la démarche de l'Europe, je crois. Et ça a coïncidé, excusez-moi, avec Felipe González au pouvoir, avec toutes ces histoires, Papandreous en Grèce, socialiste, toujours sous enquête judiciaire, Craxi en Tunisie, pour les manies politiques. Non, il a été exilé en Tunisie. Il est italien, excusez-moi, si. Mais il a été exilé en Tunisie. Et même vous avez une loi de point final avec Fabius à ce moment-là. C'était quand la SIDA, vous vous rappelez tous les scandales de SIDA, etc., de sang, etc., qui ont été bien pardonnés, disons-nous. Disons-nous, le socialisme, la social-démocratie, disons-nous, parlons clair, la social-démocratie qui devait prendre la relève. Et les pendules que les triumvirats maléfiques, il a enlevé vers la droite, jusqu'à l'extrême droite, cette social-démocratie, il devait faire revenir à la gauche, il a abandonné son rôle historique. Et à partir de ce moment, la social-démocratie européenne, c'est un fantôme. C'est un fantôme. Et en France, vous le voyez très bien. Et chez nous, nous le voyons très bien. Si on parle de vous, il faut chercher dans un autre côté. Mais c'est les fantômes. Excusez-moi. Je suis d'origine à la fois espagnole et occitane. Hein, ça, c'est quand même assez beau. Et en plus, je ne suis pas indépendantiste du tout. Donc je pense que le public n'est pas forcément, ne va pas apprécier ce que je vais dire, parce que je vais dire un mot qui va paraître un gros mot peut-être. Il y a eu dans la présentation historique, et je crois que c'est important, un grand vide. Parce que n'oublions pas que le PP, le Parti Populaire, était là encore il y a à peine 5 mois, si je ne me trompe. Hein, donc c'est tout récent. Et il y a un grand vide, et peut-être c'est un gros mot, c'est le mot Podemos qui n'a pas été employé. Il y a eu quand même en Espagne, parce que bon, on parle de... tout en négatif, il y a eu quand même la République espagnole. Hein, l'esprit de la République espagnole, il me semble qu'il a traversé ce mouvement dont on ne parle pas, qui s'est créé à partir des insoumis, hein, des indignés. Pardon, les insoumis, je fais... Parce que pour moi, il y a quand même une filiation, il y a une ressemblance entre ces mouvements. C'est un peu la même chose en France, d'ailleurs. Il n'est pas toujours de bon ton de parler des insoumis, justement, et de ce mouvement qui, pourtant, est porteur d'un espoir à la fois en France et en Europe, pour l'Europe. Et c'est la même chose en Espagne, d'ailleurs ils ont signé ensemble, hein. Il y a Hola el Pueblo, hein, c'est pas rien. Donc je tenais à le dire, tout simplement, je n'en fais pas une affaire, hein, mais ils ont joué un rôle important, et peut-être d'ailleurs, si la gauche les avait soutenus, peut-être il y avait un espoir. Déjà, je pense qu'ils ont joué un grand rôle dans la destitution du PP, hein, de Rajoy,
le fait qu'on ait emprisonné des gens qui sont totalement innocents, mais c'est un scandale, on est bien d'accord, sinon je ne serais pas là. Vous. Je ne parle pas bien français, mais... Ce mardi, on est allé au tribunal suprême. Ben, on savait déjà au départ que tout ça c'était une pantomime. Il nous a posé l'exemple aussi de ce clown, ce monsieur qui a été accusé seulement pour porter un nez rouge et se poser à côté d'un agent de la police. Il y a eu beaucoup d'accusés, pas seulement les représentants institutionnels et politiques qu'on nous a nommés au début de cette conférence. Il y a eu des maires, il y a eu des avocats et des personnes, même les personnes qui ont été tabassées le jour du 1er octobre ont été persécutées judiciairement de rébellion. Des fonctionnaires aussi. Des fonctionnaires, des ministères, c'est une cause globale. Cette semaine, on a pu entendre en tant que témoin les personnes donc, qui ont subi les violences policières du 1er octobre. Et donc, par exemple, à un moment donné, une dame qui voulait exprimer exactement ses sentiments par rapport à ce qu'elle avait vécu, en disant par exemple qu'elle était sidérée, et dès qu'elle a commencé à développer ceci, le juge l'a arrêtée, c'est-à-dire on lui a empêché d'exprimer exactement ce qu'elle avait ressenti le 1er octobre. Par contre, contrairement, pendant les témoignages des agents de la police, c'est passé justement à l'inverse, c'est-à-dire que le juge cherchait à entendre et écouter les agents de la police nationale qui développent des sentiments et tout ce qu'ils ont inventé au détail, comme par exemple qu'on leur jetait, c'est pas vrai, hein, qu'on leur jetait des pierres ou par exemple qu'on a utilisé du liquide de vaisselle pour qu'ils glissent. Hein. En France, moi j'ai la double nationalité, je me sens autant espagnole que française, je trouve que c'est pas normal que des choses comme ça arrivent au 21e siècle. Donc moi je demande quelle est la solution, qu'est-ce qu'on peut faire nous, puisqu'on est là pour ça quand même, il me semble. C'est-à-dire qu'un catalan, ils disent, nous, on veut dialoguer, la porte est ouverte, on veut dialoguer. On est d'accord pour dialoguer, dit le pouvoir central, mais dans le cadre de la constitution espagnole. Et cette constitution-là ne permet absolument pas qu'on puisse parler de ce qui intéresse les catalans, c'est-à-dire le droit à l'autodétermination et l'organisation des référendums. Donc je voulais savoir dans quel cadre il est possible ou pas de modifier cette constitution, ou alors finalement il n'y a absolument aucune possibilité de dialogue. Deuxième chose, est-ce que politiquement le parti qui est au pouvoir, quel qu'il soit, à Madrid, peut faire un geste envers les Catalans, ou alors c'est sa mort au niveau national? On voit Podemos qui a fait quand même du pied aux Catalans, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Podemos, c'est des gens qui sont exprimer publiquement comme quoi ils étaient pour le droit à l'autodétermination de la Catalogne. La question de où en est-on et que peut-on penser de la situation politique présente en Espagne après les élections générales? Je voulais juste rajouter un petit élément de réflexion, puisque je profite qu'on est beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes ici. Qu'est-ce qui se passe pour qu'en France, qu'on est à 2 heures, comme disait Francis de Barcelone, il n'y ait aucune mobilisation pour la Catalogne. Il y a des personnes qui sont en prison, condamnées peut-être à 25 ans, et qui sont déjà 11 années de prison maintenant sur le cumul de les prisons. Comment ça s'est fait? Et je me rends compte qu'il y a énormément de personnes en France qui me disent « on ne peut pas se solidariser, on ne peut pas adhérer à votre combat, parce que c'est des indépendantistes ». Et nous, on ne veut pas la division du pays. Et l'autre chose qui est complètement différente qu'on discute aujourd'hui, c'est les prisonniers qui sont là. Parce qu'il y a un franquisme en Espagne qui existe. Et point final, il faut que les Français les comprennent. Fini. Moi, j'ai une question très basique. C'est une question d'ingénue, puisque je le suis. Du point de vue du droit européen, il est impossible pour une région de quelques pays européens de revendiquer l'autodétermination. Ça, c'était l'idée reçue qui apparemment est complètement fausse, et j'aimerais bien clarifier ça, puisque c'est vraiment la base. Il y a une époque, il n'y a pas si longtemps, même le PSOE était pour le droit à l'autodétermination. Non, mais
écoutez, des fois on se laisse auto-intoxiquer, je crois que ça n'a jamais existé. Et je le redis, dans la charte des Nations Unies, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est inscrit. Et c'est bon. Et, alors après, ça soit dessus. Mais c'est quand même inscrit dans les chartes des Nations Unies, qui, signées par l'Espagne, signées par la France, toutes ces questions-là. Le droit à l'autodétermination, écoutez, et les droits des peuples, il y a eu des votes il n'y a pas si longtemps au Québec, il y en a eu en Écosse, il redemande en autre Écosse. Et bon, donc, ces questions-là sont des questions très présentes, c'est pas tout ça. En tout cas, moi, je souhaite qu'on arrive à trouver une suite à cette soirée, qu'on se retrouve ensemble dans un cadre de mobilisation. Je pense que le cadre de mobilisation, c'est la défense des droits politiques, la liberté pour les prisonniers politiques, et en lien avec cette bataille-là. Je pense que la première chose à faire, c'est d'informer la population, d'informer les citoyens français ou pas, de ce qui se passe, parce que les gens ne savent pas. Les documentaires qu'on a pu voir tout à l'heure, on ne les voit pas dans les médias français, dans la presse parisienne. Est-ce que c'est indépendance à tout prix? Est-ce que c'est État fédéral ou confédéral? Je pense que ce débat mérite d'avoir lieu. Le résultat du procès, à ce que nous indique, sera à l'automne. Sans mobilisation, évidemment, en Espagne et autres, et si la Catalogne reste isolée, ce sera très difficile. Donc il y a un enjeu très important que pour nous, et c'est aussi le sens de cette réunion aujourd'hui, de reprendre ça. Nous avons un gouvernement Macron qui est capable de s'exprimer tous les jours sur le Venezuela et de soutenir un président autoproclamé, mais sur la Catalogne, on a une autre situation. Donc, intégrons que dans ces temps où de libéralisme autoritaire et de vent qui souffle bien quand même en faveur de l'extrême droite, on a tout intérêt, nous, à chercher sur les bases qui peuvent nous unifier autour de la défense des droits politiques, de la démocratie, des enjeux centraux sur cette question et la libération des prisonniers. Moi, je pense, je ne veux pas parler à la place des Catalans, mais il est évident que la question de l'amnistie va arriver comme au cœur des discussions. Il y a quand même une volonté d'écraser le mouvement catalan. Parce que quand vous mettez en prison les dirigeants de l'ANC, les dirigeants d'Omnium, les dirigeants des partis politiques, plus tous les autres procès qu'il y a et ainsi de suite, tout ça fait sens pour moi. Et donc, la bataille politique, il faut revenir. Et moi, je pense qu'il faut que nous, on discute entre nous. Hein. Mais c'est comment on peut arriver à discuter sur ces questions-là et à se mobiliser, en faire un enjeu. Parce que quand en France, on fait à nouveau une loi anti-casseurs, toutes les mesures, quand on passe notre temps à dénoncer les violences policières par rapport aux gilets jaunes, mais moi, ce qui se passe en Catalogne, tout ça, à mon avis, c'est un peu de la mémo, ça va dans le même sens. Donc cette bataille politique sur la démocratie et les droits politiques, il y a un lien entre tout ça. Je voudrais répondre à quelques questions qu'on nous a posées. Il y avait une dame qui parlait de Podemos, Non, c'est vrai que Podemos, c'est une gauche qui a rempli d'espoir à l'État espagnol, c'est vrai. Mais elle est très, très, très conditionnée, et c'est vrai que quand la gauche, c'est un problème pas espagnol, c'est un problème de tout le monde, quand la gauche s'approche du pouvoir, elle a beaucoup de problèmes. Disons-nous que dans... Oui, c'est comme ça. Disons-nous qu'en Espagne, maintenant, il y a la possibilité de que Sánchez, le président, le premier ministre Sánchez, fasse... excuse-moi, mon français, c'est toujours bon. Il fait solitaire. Ou il fait avec Podemos, ou il fait avec Ciudadanos. En solitaire, c'est possible, mais il sera très faible. Mais avec Podemos, c'est très difficile. Vous savez que les partis socialistes, ils doivent 26 millions d'euros à l'IBEX, à la banque espagnole. 26 millions d'euros. L'IBEX, que c'est... Le CAC 40. Bon. Les grandes entreprises. Les grandes entreprises, ils font les choix très clairs, mais ils le disent publiquement qu'il faut que Sánchez se rassemble avec Ciudadanos, que c'est vraiment le néo-franquisme. Faites attention à ça.
parce que dans la cantonelle lointaine, on les connaît bien. C'est les néo-franquistes. Ne vous en doutez pas, c'est pas Vox. Vox, c'est fascisme pur. Mais le néo-franquisme, le post-modernisme franquiste, c'est Ciudadanos. Faites attention. Parce qu'ils sont très modernes, ils sont jeunes, ils ont un langage presque de gauche, parfois, etc. Ça veut dire que les possibilités de Sánchez sont très réduites, et en plus, il y a un autre problème encore, c'est que les PSOE, ils forment partie de l'État, déjà. C'est pas un parti comme ça. Ils forment partie de l'État. Et en ce moment, une grande partie de les PSOE, il est de droite. Excusez-moi, il est de droite. Et il est pour les 155, etc., etc. Il y a, excusez-moi, je te tutoie parce que tu es 71 ans. La constitution espagnole, il est protégé d'une façon... Pour la changer, il faut deux troisièmes parties de tous les, comment dire ça, de les congrès, hein, de les parlements. Et imaginez-vous, nous avons 30 ou 40, c'est impossible. Ça, c'est pour ça qu'ils nous remettent toujours la Constitution. Parce qu'ils savent parfaitement que là, c'est un chemin barré. Mais que dans toute l'Europe, c'est le langage accepté. Quand tu vas à l'Union européenne, à Bruxelles, on te dit ça, bon, écoutez, ouais, ils ont des moyens de changer la Constitution, c'est impossible. Mais ça, c'est, ça a été fait exprès pour l'ancien ministre Fraga-Iribarne, etc., etc., hein, pour que ça soit inamovible. Et c'est tellement inamovible que même ils n'osent pas de changer la Constitution, si ce n'est pas pour question économique. Merkel a demandé de changer une question économique pour que l'argent de l'Espagne, avant de se dédier à la pauvreté ou à la dette, à la pauvreté ou les besoins sociaux, serve pour payer la dette internationale. C'est comme ça. Et c'est presque impossible. Après, je voudrais dire qu'on parle de la Catalogne, mais c'est un problème espagnol. Hein. Les Espagnols, ils sont bien foutus, hein. Il faut les dire, hein. Il faut être solidaire avec eux aussi, même s'ils ne le savent pas. Mais non, non, mais vous savez, en Espagne, il y a, je ne sais pas s'ils sont 7, 8, 9, d'un petit village qui s'appelle Altasasua, qui sont en prison et qui sont condamnés à 7 ans, je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont bagarrés avec un garde civil ou un policier. Et il a été blessé dans les coins, comme dit au tourmène. Et ils sont, je ne sais pas si 7 ans, 11 ans, en prison, comme ça. Parce qu'ils sont barrés avec un policier. En civil. Et en plus, attendez, ils sont barrés, mais les photos de garde civil, il allait avec une chemise blanche, impolite. On dit impolite en français. Impeccable. Bon. En Espagne, et ça, moi, je le vis d'une façon spécialement émue, il y a trois chanteurs en exil. Oui, Baltoni. Baltoni, Hassel, et encore une autre que je ne voudrais pas... Excusez-moi, j'ai la mémoire gériatrique. Il y a trois. Et la motivation, c'est pour les paroles. Pour les mots, même moi, que j'étais sous Franco, on m'a mis jamais dans la prison ou dans l'enquête judiciaire pour mes mots. On m'a censuré, on m'a interdisé. Mais ces gens-là, ils sont ou condamnés en prison ou à l'exil. Il faut le dire aussi. C'est un problème de démocratie. Ça veut dire que votre solidarité, c'est pas seulement avec la Catalogne, c'est aussi avec les Espagnols. La démocratie en Espagne est malade, mais la démocratie européenne aussi est malade. Luttez pour la votre démocratie et comme ça vous nous aiderez beaucoup. C'est ça.